Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre? Laura! Du sang. Comment je vais faire pour redescendre? Problème réglé. C'est mes fringues. C'est quoi ces conneries? Ok. Faut que je retrouve Laura. Clairement mieux fait d'aller au motel Harbinger. Aide-moi. Bon. Ok. Je crois qu'on fera pas pire, là. Si? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, il nous faut un point de vue. Suis-moi. Thank you.
Merde, ils doivent vraiment galérer pour aller gratter un dollar. Depuis quand il est là, lui ? Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Je pourrais chercher encore. Scarum. Oh. Non, hors de question. On en sait déjà assez comme ça, de trouver des trucs. Pauvre Yann. Une mascotte qui était censée nous plonger dans l'ambiance. Bon, en même temps, c'était bien vu. Le camp a une mascotte ? Bah non, du coup. On t'a pas dit ? Dis quoi ? Il est mort avant notre arrivée au camp. Oh, dommage. Où j'ai vu cet emblème, déjà ? Qu'est-ce que c'est ? Une bague, avec un symbole. Oh, la très grande classe. Mais ça t'ira jamais. Pardon. C'est quoi ça ? C'est une bande vidéo ? Comme s'il cherchait quelque chose. Ouais, la salle de surveillance. Chris stocke toutes les bandes là-bas, t'as certainement raison. Thank you.
Reprends avec moi, chante le haut et fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été, tout nous sourit. Vive la Cat Squarry. Deux mois et tu connais pas les paroles ? Ramenez-vous, enfoiré. Putain de nuit de merde. Je voudrais juste vous demander pardon. C'est tout ce que je demande. Merde. Je voulais juste une dernière nuit. C'était trop demandé. Merde. Arrête de chialer, t'es ridicule. Faire. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? On va chercher les eaux? Non, c'est plus sûr ici et c'est presque l'aube. Bien pouvoir faire quelque chose. Ouais, mais quoi? Des balles d'argent. Avec le bon timing, on pourrait les lui donner quand elle passera. Kathleen, par là. Par ici, Kathleen. Kathleen, on n'a pas le temps, dépêche.
mange ça, sale fils de pute. Tu l'as eu ? Ouais. Ouais, je l'ai eu. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans, en fait ? Il y a eu un feu qui a tué des dizaines de personnes, et maintenant, on a des loups-garous et un fantôme qui hante les bois à la recherche de son petit garçon disparu. Oh putain, je viens de comprendre, c'est Silas ! Oh merde ! C'est une longue histoire. Non, pas vraiment. Il y a eu un feu, Silas l'enfant chien a fui, mordu des gens de votre famille, et vous avez rien pu faire. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Si, justement. Il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire. On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou qui arrive à nous échapper depuis 6 ans. Malgré tous nos efforts. On sort le chasser à chaque pleine lune, sans en rater une. Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à ce merdier. Comment vous pouvez savoir où il est ? Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la route ? Arrivé. Tu vas bien? Pas au top, mais... ouais. Par ici! Il y a du sang. Ça mène là. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Wow. C'est là qu'on est sorti de la route il y a 2 mois. T'essaies de savoir si tu dois me tirer dans la tête. Ok. Vas-y, je t'arrêterai pas. Quoi ? On masque notre odeur avec du sang de loup-garou, mais je suis à sec. C'est dangereux. On risque nos vies. T'es prête à y aller ?
Allons tuer ce bâtard. Super. Je comprends mieux maintenant. T'as du sang de loup ? Trouvé dans les bois. Travis vient de m'y faire penser. Tu devrais le prendre. Il n'y en a pas assez pour nous deux. Non, mais non, je peux pas faire ça. Garde-le. T'as morflé beaucoup plus que moi. Si quelqu'un mérite de survivre, c'est toi. Garde-le. T'en es sûr ? Ouais, ça ira. T'inquiète pas. Ça chlingue. Je préfère puer que mourir. Enfin bon, tu vas t'en sortir. L'ambiance ici, ça fait flipper. C'est pire que dans le podcast. Oh, si vous saviez. C'est là que je l'ai vu. Qui ? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percuté. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui ? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible, la femme dont tu parles... Je l'ai vue aussi. Dans les tunnels. C'est Elisa Vorez. La mère de Silas. Je crois. Vous croyez ? C'est mieux que propriétaire. Hein ? Quoi ? Mais comment ça ? C'est un enfant sauvage qu'elle a trouvé et gardé dans une cage comme un vulgaire animal. Si Kayleen avait... Dans une cage, hein ? Oh, ça va. Faites comme si j'avais rien dit. Sérieux ? Vous jouez encore à ça ? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kaylee Hackett. L'une des gamines les plus gentilles que cette terre ait portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cage, par... Cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu. Pour faire diversion. Tes potes de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Ouais. Tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kaylee a réussi à faire sortir Silas. Oui, Caleb s'est fait mordre. C'est pour ça que vous le chassez. Silas, je veux dire. À chaque pleine lune et depuis 6 ans. Sacré chasseur, dites donc. C'est... le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez ? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Ryan ? Merde !
Désolée, c'était... Chaud. On doit chauffer. Vous l'avez... Lui aussi? Malheureusement, oui. Pareil. Qu'est-ce que c'est? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui. Attention. Putain, quelle horreur. Qu'est-ce que t'attends? Tire, espèce d'idiote! Nora! Vas-y. C'est qu'un enfant! Sa sœur! Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Soi-disant! Vas-y! Donne-moi le fusil. Allez, donne-le-moi. Qu'est-ce que t'as fait? Y aller, avant de le voir comme ça, dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris. Je suis sûre que vous vous prenez pour un génie. J'ai voulu vous aider, voulu vous prévenir. Je vous ai pris en amitié. Mais plus maintenant, c'est fini. Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon Silas à cause de vous. J'étais avec vous toute la nuit. Et je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure, dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque, oui, ce sera. Moi, je serai là. Non, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Fade away, 'cause it's a brand new day.
Des ados sanguinaires inculpés dans le massacre du camp de vacances. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça ressemble au pitch d'un de mes films préférés. Ok, là, tu vois, j'ai du mal à savoir si c'est encore un de tes sarcasmes. Oui, c'était sarcastique. D'accord, je dois dire que ça colle plutôt bien. On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett Squarry? Pas cette histoire de Hackett Squarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête Paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire? Ben oui, c'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet? Oui. D'accord, je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett Squarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Oh non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents. Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais, cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne n'écoute ». Tu devrais écouter cette voix, Grace. Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Enfin, oui, je sais que t'as... Sachant pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos, et il faut qu'on décide si c'est... paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Oh, désolé, le scotch est vraiment... Vraiment... Oh, y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le découper? Non, j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non. Donne-moi tes clés, merde. Non. Prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bien sûr que je ferme ma Pourquoi porte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi, j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Bon, tu te souviens des marcheurs disparus? Ouais. Si je te montrais des photos d'un de leurs appareils, des photos qui les montrent à Hackett Squarry, où l'appareil en question a apparemment été retrouvé. Je me dirais qu'ils y sont peut-être passés et que leur appareil est tombé. D'accord, admettons. Mais pour quelle raison leur appareil serait tombé, Anton? Ils ont pu trébucher, être surpris. Ou alors, je sais pas, moi, marcher sur une pierre instable. Ou bien être assassiné. Quand tu laisses tomber ton téléphone, tu disparais pas. Alors, où sont-ils? J'en sais rien, c'est pas rare que des gens se perdent dans les bois. Il y en a des centaines par an, ils peuvent être n'importe où. C'est pas tout. Ah bon? Je t'avais réservé une petite surprise. Mes sources m'ont aussi dit que leur sac à dos avait été retrouvé à l'intérieur du camp. Sérieux? Mais ok, mais alors pourquoi ça n'a pas été rendu public? Pourquoi les Hackett ne sont pas suspectés? C'est bien ce qui me dérange. Ils le seraient peut-être si on savait où ils sont. Est-ce qu'ils essaieraient d'étouffer l'affaire?
Ouais, c'est là que ça coince un peu, à mon avis. Bon, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux, c'est qui? La famille qui possède le terrain, c'est ça? C'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la lune. Le drapeau de la famille Hackett, ok? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Quartzite? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le septième fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc ils n'avaient plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée. Tout juste, Anton. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal. Et voilà. Des hectares et des hectares de bois hantés. Si tu le dis. Dans Enquête paranormale. Anton, aujourd'hui, je vais te faire un peu de lecture. Attends, tu veux vraiment me faire lire ça? Ok, donc, c'est... Ce que tu as sous les yeux est la copie d'une lettre que Kaylee Hackett a écrite à sa grand-mère. Enfin, on suppose. Je vois. Ça ressemble plus à un truc que toi, tu lirais, mais ok. Oui, je sais, mais je me dis que si certaines des preuves sortent de ta bouche, ça aura plus d'impact. Bon, ok, voyons ça. Mamie, combien de temps ça va durer ces conneries? Je sais que la famille c'est sacré, mais je veux découvrir ce qu'il y a après la forêt. Loin de cette maison et ce camp de merde, et je sais que c'est pas près d'arriver à cause de qui on est. Peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe, leur montrer, ils verront bien qu'on peut pas le contrôler. Je sais que tu veux juste nous protéger, mais un jour tu seras plus là et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est coincé dans cette merde. Je dors plus, mamie, et si je dors, je rêve de ce putain d'incendie. On était juste des gamins débiles. Je regrette ce qui s'est passé. Je t'aime. Ta Kaylee, bisous, bisous. Bah merde. Oui, elle rêve de ce putain d'incendie. Est-ce que ça ressemble pas au témoignage d'une gamine traumatisée qui a vu un truc qu'elle n'était pas censée voir? Hey, là, je trouve ça bien flippant. Il y a clairement un truc qui la perturbe. Et c'est du vrai, ça? Eh ben, je vois pas pourquoi on irait inventer ça. Mais bon, j'ai pas les moyens de le vérifier. Alors il va falloir que, pour une fois, tu acceptes une part de doute. Putain, la pauvre gamine. Ouais, on sent qu'il se passe un truc, que quelque chose la ronge. Et c'est ce que je voudrais explorer. Ok. Alors j'accepte une part de doute, pour l'instant. Bon, je crois qu'on n'aura pas le même problème pour la suivante. Ah, et pourquoi? Oh merde! C'est une lettre de mise en demeure. Et elle nous est adressée. Mais enfin Grace, pourquoi tu m'as rien dit? Eh bien, elle n'a jamais été envoyée. C'est l'alu total! Hein? Signée par Travis Hackett. Pourtant, on n'a rien fait d'illégal. T'es sûr? Ben, réfléchis. C'est vrai qu'on nous l'a pas envoyée, techniquement. Il n'y a que les gens qui cachent des trucs qui font des mises en demeure. Ok. Et ensuite, on a cette sorte de fiole. Vide. Pour moi, vide, ça veut dire qu'elle a été pleine. C'est pareil. Des traces de sang, peut-être? Remplie de sang? On dirait bien. Flippant. Tu penses à un rituel? C'est moi qui rêve ou tu y crois un peu? Non, c'est bien les rituels. C'est juste un peu chaud que ces types sachent qui on est. Bon, Anton,
Ce que tu vois maintenant confirme notre hypothèse. Que t'es une théoricienne du complot sous acide ? Il s'est passé des trucs horribles à Hackett Quarry cet été. Des trucs vraiment bizarres. Tu vois, tu dis toujours ça, et au final, tu survends toujours ce que t'as trouvé. Il faut survendre un truc pour arriver à le vendre. C'est ça le capitalisme. D'accord. Bref, voilà une vidéo des caméras de chasse des bois des Hackett. Oh cool ! Une caméra au milieu de la forêt ! Elle a filmé un écureuil ? Avoue que si la caméra avait été montée sur un VTT, t'aurais regardé la vidéo. Ouais, évidemment ! Pourquoi, y a un VTT ? Non, mais regarde quand même. Bon, ça... C'est un ours ? Tu trouves que ça a l'air d'un ours ? Ça peut pas être un ours. Ok, alors peut-être un ours maigre ? Bon, je crois qu'on tient la vidéo la plus nette de ce genre de créature que j'ai jamais vue. Ouais, mais ça reste assez flou. Flou et convaincant. Parfois, la vérité ne peut pas rentrer dans les cases. Ouais, ok. Et une vidéo, c'est super facile à trafiquer. La technologie va loin de nos jours. Oui, mais pourquoi les Hackett auraient ce genre de vidéo, au juste ? Ah, t'as pas tort. Une petite vidéo bizarre d'un ours maigrichon ? J'en sais rien. Oh, c'est reparti avec ton ours maigrichon. T'as déjà vu un ours maigrichon ? Oui, et c'est terrible, c'est très triste. Ouais, les ours polaires, ils ont parfois du mal à trouver de quoi manger. Mais les plains pas trop, c'est des enflures. Bon, laissons tomber la famille Hackett un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant ? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main ? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer ? Bon, allez. S'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières ? Je veux surtout que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau. Bon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je regarde ? Une photo prise par une des monitrices, Emma Mountbank, téléchargée depuis son téléphone. Ah mon Dieu, c'est une vraie ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de déterminer. Bon, ça a l'air trafiqué. Enfin... Tu trouves pas ? Si tu téléchargeais des photos de mon téléphone, elles seraient aussi toutes trafiquées. Il y aurait toujours un filtre pour rendre mes yeux plus grands et mes joues plus roses. Mais je crois pas qu'il y ait un filtre ici. Regarde bien ses yeux et dis-moi que ça n'a pas l'air dangereux. Ouais, c'est bizarre. Ouais, et ça mérite une enquête paranormale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien plus que ce qu'on veut nous faire croire. Ouais. Et il y a encore autre chose. Vas-y. Regarde ce qui se passe quand on ajoute un filtre négatif. Wow ! Bordel, c'est quoi ça ? C'est elle ! La folle de Hackett Quarry ! Tu vois ! Tout est lié ! Non, ça pourrait être n'importe quoi ! Comme quoi ? Vas-y. J'en sais rien ! C'est quoi déjà le truc où ton cerveau voit des visages dans des trucs ? Il y a des gens, il y a comme Jésus qui apparaît sur des toasts. Ça pourrait être n'importe quoi. Merci beaucoup pour ta rubrique petit-déj. Mais j'arrive pas à croire que tu nies encore. Tu remets en cause ton propre cynisme, ça se voit. Je sens d'ici tes certitudes habituelles se fissurer petit à petit. Sans photos, pas de preuves, hein. On a des photos, donc c'est réel. Non, on peut truquer des photos, pas des expériences. Il faudrait que je voie la folle de Hackett Quarry moi-même. Eh bien, si tu veux aller à North Hill avec moi, je... Non ! En fait, j'ai une très bonne relation avec... Ok, je te crois. Ok, eh bien, tu sais quoi ? J'ai quelque chose qui n'a pas pu être truqué. Des marques de griffes sur un mur ? Rien de plus facile. Ah oui ? Donne-moi un mur, donne-moi une fourchette, et je te fais ça tout de suite. Waouh ! Monsieur est un artiste. Merci. Alors ça... Pour moi, ce n'est pas clairement surnaturel, parce que ça pourrait avoir été fait par un animal ou un perroquet énervé. Mais je pense qu'il faut en parler. Pourquoi ? Parce que nos auditeurs s'attendent à un podcast d'une certaine durée. Alors il faut parfois faire un peu de remplissage. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trucs à dire. Bref, la personne qui nous a contactés pensait que c'était important. Il est possible que ce soit juste une blague, tu sais ? C'était juste une blague, Anton ? Mais qu'est-ce qui te prend ? C'était probablement juste un ado qui a voulu se foutre de toi. D'ailleurs, c'est sûrement celui qui nous a mis une note d'une étoile. J'adorerais te dire que c'est impossible, mais ce serait loin d'être la première fois qu'un ado se fout de moi, en fait. Bref,
Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi que c'est pas super flippant. Ah! C'est de la peau? Oui, de la peau, des poils. Tu peux appeler ça comme tu veux. Bon, ça a l'air humain. C'est un tatouage? Je crois pas. Ou alors, un tatouage vraiment merdique. Attends, c'est... Apparemment, ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau? Et ils l'ont prise? Est-ce que je peux la voir? En chair et en os, si j'ose dire. Tu veux toucher la chair, c'est oui, ça? Oui, je veux toucher la chair. Heureusement, la personne qui a envoyé ça a eu la présence d'esprit de se dire que ce serait risqué de voler une preuve. Sans oublier qu'elle pourrait te soupçonner, toi, Anton, de vouloir la cacher pour saboter cette enquête qui est extrêmement sérieuse. C'est ça, j'ai l'habitude de détruire des preuves. C'est pratique de ne pas pouvoir voir la vraie, hein? Arrête, Anton, tu tiens absolument à ne pas y croire. En cas de doute, il faut partir du principe que c'est faux. C'est le rasoir d'Occam. Mais regarde tout ce qu'on a vu. Mets tout bout à bout, objectivement. Ok. Tu sais quoi? C'est bizarre, je te l'accorde. Oh mon Dieu. Hé, j'ai juste dit que c'était bizarre, calme-toi. Oh mon Dieu, j'ai réussi. T'as rien réussi, j'ai dit que c'était bizarre. J'ai réussi, je t'ai converti, je t'ai rallié à ma cause. Tu y crois maintenant, hein? Non, jamais tu me convertiras. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. C'était écoute... un concours et j'ai gagné. Mais non, enfin, je dis juste que ça se voit, le manque de détails dans la presse et ces trucs. Je sais pas ce que ça signifie, mais je peux comprendre que tu trouves qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. D'étrange ou de paranormal. Alors, qu'est-ce que tu en dis? La ferme. Allez. Non. Dis-moi ce que non, je veux entendre. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Tu l'as presque dit, t'as juste à prononcer les mots que j'espère entendre depuis si longtemps. Bon, j'ai jamais approuvé ce titre, mais j'admets que pour la toute première fois, cette enquête pourrait être une enquête paranormale. Ah! C'est le plus beau jour. Eh ben, c'est triste. Pourquoi? Pas pour toi? Non! Alors on fait quoi? Il faut qu'on envoie ça à la police. Ils décideront si c'est intéressant ou pas. Je voudrais en savoir encore plus. Si seulement on pouvait regarder dans une boule de cristal et voir ce qui s'est passé. Oui, mais ce serait pas marrant. On peut faire des hypothèses, mais on n'y était pas. On n'a pas vécu ce que ces gamins ont vécu. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à Hackett's Quarry. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait d'Anton? Je suis simplement Lucie. C'était magnifique. Je te remercie. Tu viens de t'embarquer dans le type de contenu que j'essaie de faire depuis le début. C'est juste la première fois qu'on a une discussion sensée dans ce podcast.